Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous montre mes décorations de Noël. Donc comme vous devez entendre, je pense, en musique de fond, c'est mes guirlandes électriques qui sont dans mon salon qui font de la petite musique de Noël. Donc si vous êtes prêts à voir comment je décore, à voir les couleurs que j'utilise, les ambiances que j'aime un petit peu lorsque je décore Noël dans mon salon, restez avec moi. Je commence par mon endroit préféré, c'est-à-dire la crèche de Noël. Donc en fait, globalement, ça donne ça. C'est un petit village, donc vous avez ici une petite crèche avec la petite truc qui tourne. Elle fait aussi de la musique, mais comme j'ai déjà la musique de l'Irlande du sapin, je la ne mange pas. J'ai un bougeoir, là j'ai les personnages de crèche avec les maisons. J'ai mis des petits flocons de neige, bon, des faux évidemment. J'ai mis des guirlandes lumineuses, des petites maisons, des sapins, afin de créer une ambiance village de Noël. Ici, vous avez une grande table ronde. Et en fait, cette table ronde, c'est la table du jardin pour l'été quand on déjeune dessus ou quoi le matin. Et je l'ai récupérée cet hiver pour en faire un énorme village de Noël. Donc en fait, vous avez deux crèches ici que mon père a fabriquées de ses propres petites mains. Vous avez du foin de mon lapin en fait que j'ai réutilisé pour créer la grange avec les animaux. Parce que vous voyez, là, il y a des petites chèvres, etc. Là, il y a la petite brebis. Donc j'ai récupéré le foin de mon lapin en fait, je l'ai fait sécher et après j'ai tout mis là-dessus. J'ai créé ce petit sapin-là. Enfin, créé. J'ai décoré. Et celui-ci. Et j'ai mis tout autour des bougies avec une guirlande. Donc ensuite, comme vous vous en doutez, il y a évidemment les sapins. Enfin, normalement on dit le sapin, mais moi je suis une grande fan. Quand je dis que j'aime Noël, en fait, c'est pas genre j'aime Noël comme genre j'aime me balader. C'est j'aime Noël, vraiment quoi. J'adore Noël. Je suis une fan numéro 1 de Noël. Donc j'ai pas un sapin, j'ai pas deux sapins. J'ai deux grands sapins et trois petits sapins. Ça fait 5 sapins en tout dans le salon. Les deux petits que je vous ai montrés. Il y a un autre petit dans l'entrée que je vais vous montrer aussi. Et allez, deux gros sapins. C'est parti, je vous les montre. Et voilà mes deux gros sapins. Donc ici, vous avez celui qui est couleur un petit peu tradition. Il est rouge, orange, brun, doré. Voilà, lui... C'est la couleur tradition. Et il y a ici celui qui est couleur un peu givré en fait. Il y a du blanc, du bleu, de l'argenté. Au milieu, vous avez un petit bonhomme de neige. Et en fait, tout ça s'est posé, comme vous le voyez, sur deux tréteaux. J'ai réutilisé une ancienne porte de cuisine qu'on ne se sert plus vu qu'on l'a changée. J'ai les tapissé de papier cadeau comme j'ai fait pour la table ronde et j'ai posé mes deux sapins dessus avec des décorations de Noël. Donc voilà, j'espère que ma décoration de sapin... Donc maintenant ce qu'on va faire c'est décorer le mini sapin. Donc ce que je commence par faire c'est tout simplement de déplier les branches. Une fois que j'ai déplié toutes les branches du sapin, je viens installer cette petite guirlande verte avec des petites plumes et des petites perles comme ça. Une fois que la guirlande à plumes est installée, ce que je mets, c'est une petite guirlande lumineuse. Vous voyez pas les piles, je les mettrai à la fin, mais c'est une petite guirlande lumineuse qui va s'éclairer. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne éclairé. Donc la guirlande lumineuse est enroulée tout autour du sapin. On va poser les boules de Noël. Donc les boules de Noël, ça c'est l'étoile. Les boules de Noël, c'est des boules de couleur dorée. Celles-là, elles sont en bois. Donc c'est des couleurs naturelles en fait que j'aime. J'ai des petites pignes de pin aussi. Voilà, ça c'est les couleurs que j'aime. Voilà ce que ça donne éclairé. Donc c'est un sapin tout simple. Avec des boules en bois, une petite étoile dorée pour donner une petite touche de Noël quand même. Parfait. Et voilà le sapin qu'il y a dans mon entrée. Juste à côté, il y a un diffuseur d'huile essentielle et une lampe.
Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré en gros les décorations que j'ai dans mon salon. Mes sapins, mes boules de Noël, les couleurs que j'utilise, etc. Mon petit village de Noël que j'aime trop, qui est juste là derrière moi. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quelques idées. Au moins, vous avez vu un petit peu mon environnement, ce que j'aime dans Noël. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.